Bien, bah bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très contente effectivement que notre salle, notre belle maison de la méditation soit si pleine ce soir pour recevoir notre invitée Isabelle Filioza. Isabelle Filioza, alors on s'est rencontrés il y a peu de temps finalement, mais moi j'ai eu tout de suite un coup de foudre. Alors je te connaissais, ah bah oui je te le dis comme je le pense, super. Je te connaissais par ton travail bien entendu, j'avais lu plusieurs de tes livres avant, mais je t'ai rencontrée finalement il y a peu. Je t'ai proposé, allez viens présenter, parlons de toute ta carrière, viens un vendredi soir à la maison et tu as tout de suite accepté, donc vraiment je te remercie de ta confiance et de ta générosité et de t'être rendue disponible pour nous ce soir. Alors, rapide présentation d'Isabelle Filioza. Je pense que beaucoup la connaissent, mais on va quand même faire la petite présentation officielle, je dirais. Donc, Isabelle Filioza, tu es psychothérapeute, tu es écrivaine, tu es conférencière. Écrivaine, c'est rien de le dire, puisque tu as écrit, je crois, plus de 40 ouvrages au jour d'aujourd'hui, qui sont d'ailleurs traduits dans de nombreuses langues. Donc ton travail et tes écrits rayonnent bien au-delà des frontières de notre pays. Alors, par exemple, J'ai tout essayé. Il me cherche, comprendre ce qui se passe dans le cerveau de votre enfant. Il n'y a pas de parents parfaits, un livre très important. Ou encore, Au cœur des émotions de l'enfant, un livre extrêmement important aussi que j'ai relu avec grand plaisir cette semaine pour préparer cette rencontre. Donc on voit à travers tes nombreux ouvrages et tout ton travail que finalement tu as consacré toute ta carrière à accompagner les parents, les enfants, les professionnels de la petite enfance. Et ce qu'on peut dire, c'est que tu ne cesses de transmettre aux parents et aux personnes concernées, donc, par exemple, qui sont amenés à travailler auprès des enfants, des ressources. Et pour les parents, c'est fondamental parce que les ressources que tu leur proposes, que tu leur présentes, que tu as tellement profondément travaillé, ça les aide, ça les accompagne dans des moments où on est souvent très désemparé. C'est pas facile de devenir, c'est pas toujours. En tout cas, c'est une tâche immense de prendre soin et d'éduquer un enfant. Cette carrière t'a valu une Légion d'honneur que tu as reçue le mois dernier à Paris des mains de Madame Claire Hédon, défenseur des droits. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'on pouvait lire le discours que tu as donné pendant ta Légion d'honneur sur ton site internet isabellefilioza.com ou .fr. Enfin, c'est très facile à trouver. Je le signale parce que c'est un très beau discours que tu as pu prononcer à cette occasion et qui retrace vraiment justement tout ton parcours de vie. Ou quasiment, ça commence à l'âge de 12 ans, donc c'est vraiment une très belle manière de te rencontrer aussi que d'écouter ce discours sur ton site. Alors avant qu'on nous rentrions dans le vif du sujet ce soir, violence familiale, comment les reconnaître pour mieux s'en libérer, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse, est-ce que tu serais d'accord pour nous dire ce qui t'a amené à te consacrer comme ça, je dirais, corps et âme, à déployer ce travail, à consacrer ta vie à l'enfance, aux soins de l'enfance, à l'éducation de l'enfance et... Alors, à l'enfance, à l'humain en général, parce que mon travail avec les enfants ne date, et avec les parents, ne date que du moment où moi-même j'ai été parent. Je préfère ne jamais parler de ce que je ne connais pas, donc je ne me suis pas permis de parler de parentage, de parentalité, avant d'avoir des enfants. Quoique un tout petit peu, puisque le premier livre de parentalité, c'était sur le sentiment des mères qui travaillent, et je n'étais pas encore maman, mais je l'ai coécrit avec ma mère qui était, elle, maman. Donc le premier livre sur la culpabilité, ça s'appelait « Le défi des mères » à l'époque, et maintenant ça s'appelle « Maman, pourquoi tu travailles ?» Mais je crois que je vais faire changer le titre parce que finalement, c'est vraiment juste une étude du sentiment de culpabilité. Donc je m'intéresse à l'humain, à la violence en fait et à la non-violence depuis très très longtemps. Je suis née du projet de mon papa et de ma maman de faire des enfants sans violence, d'élever des enfants sans violence. Tous deux avaient subi énormément de violence dans leur histoire. Et donc, mon père avait failli se suicider plusieurs fois. Ils avaient tous les deux vraiment beaucoup de souffrance et de douleur. Et ils étaient conscients de ça. Ils étaient tous les deux psys. Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'université de psychologie. Et voilà, donc c'était déjà le projet. Donc moi-même, j'ai été éduquée sans aucune violence. Je n'ai jamais été punie.
évidemment jamais frappée, mais jamais punie, jamais humiliée, jamais dévalorisée. J'ai toujours été écoutée, entendue, et mes parents respectaient mes émotions. Ce qui est quand même rarissime pour quelqu'un qui est né en 1957. Donc déjà, j'étais un peu prédisposée. Et puis mes deux parents parlaient de violence énormément à la maison. Ma mère travaillait avec des enfants atteints de mucoviscidose, donc elle parlait d'enfants qui souffraient, elle parlait de leurs parents, elle parlait de... Voilà, sans arrêt, à table, dans la famille, j'entendais la souffrance d'un parent, la souffrance d'un enfant, et voilà, j'étais plongée dans ce monde des émotions. Et on a toujours beaucoup parlé de la violence. Quand on rencontrait de la violence à l'école, on en parlait aussi, il y avait beaucoup de discussions à la maison. Donc ça a toujours fait partie de ma vie, quoi, finalement. Je n'ai pas eu un jour la révélation, tiens, je vais m'occuper de ça. C'est, voilà, j'étais dedans vraiment tout le temps. Et moi, ce qui me passionnait, c'était comprendre le monde. Donc, je voulais comprendre la vie. Alors, je voulais faire astrophysicienne pour comprendre les étoiles. Puis, ma prof de physique, elle a dit qu'avec deux en physique, ce n'était pas possible. Donc, c'était idiot parce qu'en fait, j'avais 19 de moyenne en maths. Et en réalité, l'astrophysique, c'est que des maths. Mais finalement, ce n'est pas plus mal. Donc, quelquefois, un échec, c'est intéressant parce que ça m'a fait basculer. Je me suis dit, bon, OK, pour comprendre la vie, si je ne peux pas comprendre dans les étoiles et dans l'univers, je vais regarder la biologie. Et donc, je me suis dit, je vais devenir chercheur en biologie. Je me suis inscrite en médecine. Et au bout de deux mois, le prof de biologie que j'adorais, qui faisait donc le métier que je voulais faire, nous dit que ça faisait 10 ans qu'il travaillait dans un laboratoire sur une crête de mitochondrie. Une mitochondrie, c'est un poumon de cellules. J'ai travaillé 10 ans sur une crête de mitochondrie, je ne tiendrai pas. Et donc, je suis partie. Et là, j'ai fait plein de petits boulots et j'ai cherché ce que je voulais faire. J'ai fait une thérapie à ce moment-là et mon psychothérapeute m'a aidée à réaliser que finalement, pour comprendre la vie, peut-être que la psychologie, c'était encore le plus intéressant. Et effectivement, parce que grâce à la psycho, eh bien, je fais un petit peu moins quand même l'astrophysique, mais beaucoup de biologie, beaucoup de physiologie, beaucoup de savoir comprendre comment ça se passe dans le cerveau, etc. Donc voilà, j'ai aussi cet aspect scientifique de recherche. Et puis voilà, petit à petit, j'ai rencontré ma clientèle, j'ai appris l'analyse transactionnelle. C'est mon père qui a introduit l'analyse transactionnelle en France. Il a introduit beaucoup de choses. Il a introduit l'analyse transactionnelle, il a introduit aussi toute la visualisation positive pour guérir des maladies physiques. Et il a introduit le PRODAS, le Programme du Développement Affectif et Social. Et ce PRODAS que nous allons reprendre aussi à Marseille pour mener, parce qu'on sait aujourd'hui que développer les compétences émotionnelles et sociales des enfants, c'est vraiment le truc le plus efficace pour réussir à sortir d'un trauma et s'équilibrer et puis et grandir et reprendre un bon développement. Donc c'est une bonne route. Donc je continue un peu la route, enfin pas un peu, complètement je continue la route de mes parents, mais elle me convient vraiment très bien. Oui, et puis ce qui est très beau dans ce que tu dis aussi, je t'ai entendu dire ça dans un podcast, c'est que cette éducation donc sans humiliation, sans punition et sans coup, ça t'a vraiment aussi appris à penser librement et à penser vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qu'on peut faire subir à nos enfants, parfois croyant bien faire, souvent croyant bien faire, pour les contraindre finalement, même sans le vouloir. Toi, tu as été, t'es pas passé par cette case-là et on sent qu'effectivement, toute cette curiosité que tu as eue, tous ces chemins que tu as empruntés, puis voilà, il y avait vraiment une liberté et une confiance dont tu témoignais, qui est sûrement le cadeau de cette éducation. Alors, quand on parlait pour préparer cet entretien, enfin, on a parlé peu parce que... Toi, tu n'as pas besoin de préparation, c'est plutôt moi qui avais besoin. Et d'ailleurs, c'était très intéressant, puisque je te dis, donc éducation positive, et tu me réponds, non, je dis éducation bienveillante. Non, on ne parle plus d'éducation positive et d'éducation bienveillante. Ah bon? Alors dis-moi, pourquoi? Alors quoi? Parce qu'on était obligé de parler, de préciser éducation positive, quand l'ensemble de la France était dans une éducation plutôt violente. Alors,
la plupart des parents, puisque plus de 80% des parents continuent d'être, de commettre régulièrement, malheureusement, des violences dans l'éducation, des violences dites ordinaires. Mais depuis 2019, nous avons une loi qui dit qu'on éduque un enfant sans violence. Et puis, depuis encore plus longtemps, nous avons la Convention internationale des droits de l'enfant qui précise aussi qu'on éduque un enfant sans violence et elle donne la liste des violences. Donc, ce que j'ai appelé, à la suite du Conseil de l'Europe, éducation positive, parentalité positive, eh bien, on avait besoin de marquer une différence parce que, pour la plupart des gens, l'éducation normale, c'était les punitions, les coups, les cris, les menaces, etc. C'était juste la norme, c'est comme ça, et donc il fallait se différencier. Et c'était le terme utilisé par le Conseil de l'Europe, hein, qui invitait tous les gouvernements à développer des programmes de parentalité positive. Donc c'était ce terme dans l'Europe, et puis c'est le terme qui est utilisé dans les études scientifiques, hein, partout, on voit positive parenting, donc la parentalité positive ou le parentage positif. On n'a pas de, vraiment fait, de mots. Ça fait deux fois ici. Oui, que tu dis les deux. Tu fais une différence entre parentalité et parentage. Alors oui, mais je viens d'apprendre que le mot parentage finalement parle en français des liens de parenté. Donc ça ne va pas non plus. Il va falloir trouver un autre mot. Mais en anglais, ils ont deux mots. Parenthood et parenting. Et parenting, c'est vraiment les actions que l'on mène en tant que parent, tandis que parenthood, c'est l'état d'être de parent. Et parentalité, c'est vrai que ça fait plus référence à notre état. Donc, du coup, quand on parle de parentalité positive, les gens disent « Ah, mais je ne veux pas être un parent négatif », comme si ça les nommait. Oui. Or, non, ce n'est pas le cas. Ce sont les gestes qui sont positifs ou qui sont négatifs, dans le sens positif, c'est-à-dire ce qui va vers le développement, et négatif, ce qui empêche le développement. Oui. Mais donc, j'ai réalisé, en lisant le livre de Marion Querc, Une enfance en or, j'ai réalisé ce que ça signifiait quand toute une culture est dans une parentalité. Là-bas, en Suède, ils n'ont pas besoin de parler de parentalité positive, puisque toute la parentalité, elle est positive. Elle est juste la parentalité. Et je me suis dit, mais nous aussi, finalement, la loi, elle est là. Et donc, la parentalité, elle s'exerce sans violence. Donc, on n'a plus besoin d'avoir cet étendard. Voilà, éducation bienveillante, c'est un pléonasme. Ça devrait devenir un pléonasme. C'est tout à fait ça. Ok, voilà. Je comprends. On va faire en sorte que ça devienne. Oui, mais ça, c'est vraiment un beau projet. C'est vraiment important de le préciser parce qu'effectivement, moi-même, je dis éducation bienveillante alors que, alors qu'éducation tout court devrait. Bon. Mais alors, justement, comment on fait pour qu'une éducation tout court soit de plus en plus, et avec tous les défis que ça représente, une éducation bienveillante. Je crois que la première chose, ben, c'est faire ce qu'ont fait mes parents, c'est-à-dire s'engager vraiment à n'exercer aucune violence. Et du coup, quand on s'engage à n'exercer aucune violence, ben, on va découvrir avec curiosité qui est notre enfant. Et c'est ce regard de curiosité éblouie qu'avaient mes parents envers moi, qui m'a permis de grandir et qui peut nous permettre aussi d'accueillir nos enfants sans violence. Dans mon dernier livre, dans un de mes derniers livres, j'utilise l'acronyme ADMIRER pour l'accueil des émotions de l'enfant. Et pour moi, j'étais contente de trouver ça parce que c'est vraiment l'état interne dans lequel on peut être pour développer sa parentalité sans violence. Si, dans n'importe quelle circonstance, je me suis « Ah, admirer !» Hop, je me mets dans cette posture d'admirer. Du coup, je regarde l'enfant avec ce regard de « Waouh, j'ai besoin de découvrir !» Et « A », c'est pour s'accorder, c'est un acronyme, donc « A », s'accorder, je m'accorde. Quand, pour être violent, je suis en désaccord, en désaccordage. Donc, si je m'accorde, je ne vais déjà plus être dans une dynamique de violence. Je me mets déjà à son niveau. S'accorder, c'est oh, je descends, je m'assois peut-être sur le sol, à son niveau, et surtout, je me mets à son niveau émotionnel. Je m'accorde sur lui. Ensuite, D, c'est pour décrire. Décrire parce que trop souvent, on interprète. Et quand on interprète, ben, on juge.
Et on interprète avec nos références traditionnelles et globalement avec les références que nos parents nous ont transmises, que toute notre culture nous ont transmises. Et donc, comme en France, on est dans une culture où on pense encore beaucoup les enfants comme de petits chenapans auxquels il faut mettre des limites pour qu'ils deviennent de bons citoyens, du coup, ben, on a quand même cette petite réaction souvent qui pense « il fait ça contre moi », etc. Donc, hop, stop. Je stoppe le jugement en décrivant. Je peux décrire à haute voix ou bien je peux décrire intérieurement dans ma tête. Mais décrire, ça me permet juste de mettre des mots qui ne soient pas interprétatifs. Ensuite, M, mesurer. C'est-à-dire, je me mets à l'écoute de ce qui se passe dans l'enfant et je cherche à mesurer à quel point il vit ce qu'il est en train de vivre. Parce que on ne sait pas. Parfois, il fait une énorme fureur. Et puis, si je lui demande « tu es furieux à combien entre 1 et 10 ?» Eh bien, il peut dire 2. Et là, je réalise « bon, il ne faut peut-être pas que je m'en fasse trop parce que finalement… » Mais il peut dire 15 aussi. Et là, je mesure « c'est très, très important pour lui. » Donc, mesurer M. I, pour investiguer, interroger, essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que derrière un comportement, derrière une émotion, il y a des raisons. Et donc, au lieu de focaliser, je vais toujours chercher cette curiosité de chercher à rentrer dans son monde. Et investiguer, ce n'est pas poser des questions pour qu'il réponde à ce que moi j'ai dans mon cadre de référence. Non, c'est se passionner pour qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mais c'est organiser comment dans sa tête. Comment ça réfléchit un petit enfant de 2 ans? Comment ça réfléchit une petite fille de 6 ans? Mais comment ça réfléchit un ado de 14 ans? C'est fascinant en fait. Comment tu réfléchis? Comment tu penses ça? Donc hop, on investigue, c'est-à-dire dans le sens, hop, je vais chercher à piger la manière dont ça s'organise dans sa tête. Et puis, R, reconnaître. On a tous besoin de reconnaissance. Mesurons à quel point chacun d'entre nous ici, on a été carencé de reconnaissance. Pour la plupart d'entre nous, nos parents ne nous ont pas beaucoup reconnus, les autres adultes pas beaucoup reconnus. Reconnaître, ça veut dire, je te vois, tu es là, tu existes pour moi, j'écoute, j'entends tes émotions, j'entends qu'il se passe des choses pour toi et je suis d'accord d'entrer en relation avec toi. Je veux dire, c'est immense, la reconnaissance, c'est ce dont on a tous besoin, parce que nous sommes, nous les humains, des animaux sociaux, on en a besoin, complètement, cruellement besoin. Et pourtant, ben, c'est ce qui, voilà, les parents souvent, pas le temps, machin, ne réalisent pas et surtout ne savent pas faire. Ou ont tellement manqué eux-mêmes de reconnaissance qu'ils sont en demande, mais bref, pour de multiples raisons. La plupart d'entre nous, on a beaucoup manqué de reconnaissance. Donc, fournir cette reconnaissance à l'enfant, c'est lui montrer que nous l'acceptons. Alors, on n'accepte pas forcément tous les comportements. On n'accepte pas toutes les réactions émotionnelles. Ça, c'est très important, hein, Isabelle, oui. Parce que c'est vrai que, on reproche sans savoir, hein, mais éducation positive, ah oui, autrement dit, toutes les incartades sont permises, il n'y a plus de limites. Donc ça, c'est une très personne important. De la salle tout à l'heure m'a dit, et c'est grâce à vous que j'ai pu dire non pour la première fois à mon fils. Donc voilà. Ça m'a beaucoup touchée. C'est vrai, c'est important, on ne prend pas tout. Mais même quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on va fournir la reconnaissance de la personne. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je dis non à quelque chose ou je refuse ou je n'accepte pas tel ou tel comportement que je n'accepte pas la personne. Et donc, c'est reconnaître, soit je reconnais, ah, tu as vécu telle et telle émotion, tu as eu tel et tel comportement, donc on reconnaît l'enfant avec son comportement et sa personne, ou alors tu as eu tel et tel comportement mais on lui montre que on lui en veut pas en tant que personne. On n'est pas d'accord avec le comportement. On va pas lui donner ce qu'il demande. On va non, pas forcément. Mais on va continuer de l'aimer
inconditionnellement. Oui, pour autant, on ne va pas lui dire t'es méchante. Voilà, c'est des choses que moi j'ai entendues. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Et toi, tu fais bien. Oui. Ça fait déjà deux fois ce soir que tu fais bien le distinguo, aussi bien pour le parent positif ou négatif que pour le comportement de l'enfant. Tu fais bien le distinguo dans ton travail et tu nous montres ça très bien entre les actes, les comportements et la personne. Et c'est pas la personne qui est en cause. C'est ça. D'accord. Et donc, du coup, ensuite, on permet d'exprimer. Et donc, on va accueillir l'expression. Mais là, c'est pareil. C'est vraiment bienvenue à l'expression de l'émotion. Mais pour ça, on a besoin d'avoir plus peur des émotions, parce que malheureusement, on a été éduqués à avoir peur de nos émotions. C'est normal, hein, puisque chaque fois que nous, quand on était, tu vas pas moi, mais la plupart d'entre eux, les Français, eh bien, lorsque nous avions une émotion, qu'est-ce qui se passait ? C'était « Oh, que t'es vilaine avec ta colère, oh, t'es pas bien, tu dois être un garçon ne doit pas avoir peur, tu vas pas pleurer, va dans ta chambre finir ta colère, tu reviendras après. » Bref, on n'était pas accueillis, donc globalement, on s'est dit « Les émotions, c'est négatif, les émotions, ça me vulnérabilise. » Non, pas du tout, au contraire, nos émotions, c'est notre puissance. Mais on a appris à tout mélanger. Et du coup, on a peur de nos émotions. Et quand nos enfants ont des émotions, on en a peur aussi. Donc on a d'abord besoin de guérir un petit peu tout ça pour pouvoir accueillir les émotions, l'expression des émotions de nos enfants. Et puis R, le dernier, eh ben ça va être pour réparer ou pour résoudre en fonction des situations. Donc voilà, j'ai bien aimé ce titre d'acronyme, admirer, et surtout parce que ben, le mot entier, il dit la posture qui me paraît nous guider pour pouvoir être dans cette non-violence. C'est un très, très bel acronyme, c'est clair, et ça donne déjà, voilà, ça définit bien une posture possible de curiosité, d'humanité, d'accueil, c'est très beau à admirer. C'est ça, curiosité tendre, ouais, ça suffit. Ouais, hein. Curiosité tendre, voilà. Et donc la violence, qui est notre sujet de ce soir et qui est ton sujet, moi, je me rends compte, en fait, que face à des enfants, j'ai moi-même trois enfants qui sont adultes maintenant, mais donc qui sont passés par la phase bébé, bambin, petit, etc. Je n'ai jamais été violente avec mes enfants. J'ai fait, voilà, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu cette chance. Et quand j'ai déconné, mais je me suis dit, j'ai toujours su. Moi, je l'ai été. Oui. Ce n'est pas si simple. Non. Et alors, voilà, pas toujours être violent. Et quelque part, mes parents se sont engagés à être dans la non-violence, mais mon père a parfois été violent par l'absence. C'est-à-dire que pour ne pas être violent, il partait. C'est ça. Ce qui peut être et finalement, c'est aussi une forme de violence. Tout à fait. Donc, je crois qu'on ne peut pas ne jamais commettre de violence. Tu as tout à fait raison. Et c'est utile de s'accepter soi-même là-dessus. C'est OK. On est d'une culture de violence et donc ça va nous arriver. On est d'une culture de violence. Oui, donc ça va nous arriver. Mmh. Et ce n'est pas grave, du moment qu'on peut réparer. Il y a un livre qui m'a vraiment beaucoup plu récemment, c'est le livre d'Edouard Tronick sur The Power of Discord. Je voudrais le traduire, mais pour l'instant, je n'ai pas encore le OK de l'éditeur, mais bon, j'espère qu'il va être traduit en français. C'est donc le pouvoir de la discorde. Et donc, Edouard Tronick, c'est l'auteur, l'inventeur du test du visage impassible. Ce test absolument fantastique qui montre donc un bébé et sa maman. Et le bébé sourit à sa maman, et la maman sourit. Voilà, on voit qu'ils communiquent super bien. Et puis le test, c'est que la maman doit tourner la tête et revenir et faire un visage impassible. Au moment où elle fait un visage impassible, le bébé commence à essayer de récupérer de l'attention, il bouge, il pointe du doigt, il crie, et ça ne marche pas, du coup il s'effondre complètement. Elle revient, maman, elle refait les sourires, et immédiatement le petit revient dans la relation, etc. Et il y a plein de choses dans cette expérience. Ça montre ce qui se passe quand on fait un visage impassible, et là on mesure comment le nombre de fois où des gens nous ont fait un visage impassible. Et c'est important que même quand on n'est pas bébé, ben oui, c'est une sacrée violence, on voit ce que ça donne sur le bébé. Mm-hmm. Combien de fois des adultes nous ont fait même des... Mm-hmm. Et voilà, ça c'est aussi très stressant.
Et donc, on mesure ça, que c'est difficile, surtout que lorsque on n'a plus d'interaction avec quelqu'un, lorsqu'on est exclu, même des adultes, au bout de quelques minutes, perdent confiance en eux et ne réussissent plus à mener, à faire des exercices, à résoudre des problèmes de logique qu'ils pouvaient résoudre tout à fait juste auparavant. Donc, ça a un impact très, très fort, cette exclusion ou ce visage impassible. Mais ce qu'il dit, Edward Tronning, parce que donc, ça fait 40 ans qu'il travaille avec cette expérience dans tous les sens, et il a vu des centaines, des milliers de bébés et d'adultes aussi. Il a fait aussi ce travail du visage impassible dans les couples. Donc, un des membres du couple fait le visage impassible et vous imaginez ce qui se passe pour l'autre. Et enfin, vous n'avez pas besoin d'imaginer très loin, je pense que ça vous est arrivé dans vos couples, un jour ou l'autre. Bref, et là, il dit que toutes les mesures qu'il a faites, il estime que lorsqu'il y a 30% d'accord et 70% de désaccordage, c'est là qu'il y a la meilleure relation. Eh ouais. On aurait tendance à penser qu'il faut tout le temps être en super amour, en accordage, en tendresse permanente et compagnie. Non, ça c'est juste étouffant. On a besoin de respirer de temps en temps. Et donc même si on aime énormément l'autre, tout le temps on a les yeux dans les yeux en train de se dire des mamours, c'est un petit peu pénible. Donc... il y a besoin des deux. Mais ça, c'est pour la relation de couple. C'est pour la relation de couple et pour la relation avec les enfants. Ah, toutes les relations. Oui, d'accord. Il a montré que il y a eu un jour, ils étaient fascinés. Ils voyaient, il y avait une maman et son bébé, mais c'était une harmonie complètement dingue. Elles étaient là, machin, tout allait bien, machin, tout le temps. Et au moment où elles ont fait le visage impassible, la gamine, alors, elle a disjoncté tellement, brutalement. Et elle était dans une telle détresse qu'ils ont interrompu l'expérience. C'était très, très rare qu'ils doivent interrompre l'expérience. Et donc là, il a mesuré que cet enfant n'avait pas suffisamment de rupture pour pouvoir petit à petit apprendre à réguler ses émotions. Donc, une relation saine, c'est beaucoup d'amour et de tendresse et des moments où on n'est pas attentif. Et on récupère et on revient dans la relation. Par contre, voilà, toujours 30%, 70%, à condition de réparer et de revenir quand on est sorti de l'accordage. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Ouais. Et là, on voit bien que ce qu'on appelait encore dans le temps, avant 2019, de l'éducation positive ou bienveillante, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas laxisme, c'est pas tout est permis. C'est vraiment justement un subtil accordage, désaccordage, présence, absence, ce qu'on apprend beaucoup dans la méditation. On n'apprend pas que c'est mal d'être absent, on apprend juste à savoir quand on est absent et quand on est présent. C'est ça que je trouve passionnant aussi. Mais pour revenir sur la violence et la violence avec les enfants, mais là j'ai appris quelque chose, c'est magnifique. Vivement que tu traduises ce livre pour nous en France, c'est très bien. Parce que ça, c'est très humain. Et ça, oui. On se dit, c'est possible. Parce qu'effectivement, s'il faut être tout le temps qu'amour, tendresse, sourire, soin, personne ne peut y avoir. Il n'y a pas de parents parfaits, écrirait Isabelle Filioza. Oui, voilà. Déjà, mais ça, ce n'est pas tout à fait pour les mêmes raisons. Mais c'est... Parce que c'est vraiment, il y a toujours deux besoins fondamentaux. Il y a le besoin de connexion, mais il y a aussi le besoin de sentir son pouvoir d'agir, son pouvoir personnel. Et si je n'ai pas mon accès... Et dans un premier temps, moi, je pensais que c'était 50-50. Oui, oui. Ben, finalement, non. Alors, quand on est parent, il faut quand même reconnaître que c'est... je vais dire ça comme je le sens, Isabelle, et tu me reprendras, mais... Il me semble que c'est plus facile d'être violent, de punir, de réprimander, que ça demande beaucoup plus de courage d'être non-violent. À mon avis, la non-violence demande
beaucoup de courage, de oui, c'est oui, voilà, parce que effectivement, quand on est à bout, voilà, quand on n'en peut plus, quand on est épuisé, alors tu nous donnes beaucoup de conseils là-dessus aussi, ne serait-ce que j'espère que je donne pas de conseils. Bon, alors pas de conseils, de ressources, de ressources, de ressources. Tu as raison. Merci. Et mais enfin, j'ai lu, voilà, si une amie peut prendre le relais, si le papa, si l'autre, si la maman peut prendre le relais, c'est des ressources très très importantes, parce qu'effectivement, être dans la non-violence, être dans une éducation sans violence, ça demande beaucoup de courage. Oui, oui. Tu dirais pas ça? Ben, j'en sais rien. Je sais pas. C'est vrai que ça demande du courage, ça dépend pour chacun en fait. Il y a des personnes qui vont être pour qui ça ne vient tout simplement pas, qui ne vont pas commettre de violence, et puis d'autres pour qui c'est vraiment ce qui vient. Donc là, oui, quand on a subi beaucoup de violence et qu'on est exaspéré, parfois on est dans des situations extrêmement complexes dans la famille, on est épuisé, on n'en peut plus. Donc là, effectivement, parfois, on sent cette violence qui monte, cet énervement, on a envie de... Et là, effectivement, il s'agit de mobiliser son courage pour réussir. Surtout, le courage, il est nécessaire en France. Dans d'autres pays, moins. Parce que dans d'autres pays où l'ensemble de la culture est non violente, et regarde les enfants avec tendresse et respect, on n'est pas très confortable à commettre de la violence. Tandis qu'en France, vous avez l'ensemble de la population qui dit « Oui, une petite fessée, ça ne fait pas de mal. » Oui, et qui te regarde de travers quand un enfant pique une crise au supermarché. Et donc là, ça nous demande du courage. Ça demande du courage d'être non-violent, parce que ça nécessite de s'opposer à beaucoup de regards sur soi, beaucoup de jugements. Et ça c'est dur. Ah, oui, oui. Ça aussi, en lisant le livre de Marion, je me suis rendu compte de ce que ça faisait, toute une culture non violente autour. Quand on baigne dans une culture où c'est juste naturel d'être empathique avec les enfants, de les respecter, eh ben on n'a pas besoin de se battre. Tandis que ici, je vois tous les parents, j'entends sans arrêt tous les parents me dire combien ils ont à militer, à se battre, mais même à l'intérieur de leur famille, même parfois à l'intérieur de leur couple. Hein. Il y a la mère, la belle-mère, le beau-père, le grand-père, bah, tout le monde est là. Oh, tu ne devrais pas faire comme ci, tu ne devrais pas faire comme ça. On se fait juger partout. Même des gens dans la rue se permettent de vous faire des commentaires désobligeants. Tandis que, ben voilà. Il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage, oui. Il y a ce contexte sociétal, mais je pensais aussi même, effectivement, quand on a subi des violences et qu'on sent nous-mêmes la violence monter et que non, je ne taperai pas, je punirai pas parce que non. C'est ça. Là, il y a quand même quelque chose, donc tu nous invites à vraiment se reconnecter à nos émotions, faire ce travail de guérison de nos propres émotions qui nous effraient, mais qui sont, c'est vrai, une puissance agissante aussi, qui sont notre énergie et qui nous informent quand même sur où on en est. Mais il faut quand même, il faut du courage pour... Pour aller rencontrer nos émotions. Parce qu'en fait, quand on est dans la violence, on n'est pas dans l'émotion. Non. La violence n'est pas de l'émotion. La violence, c'est un comportement qui est mobilisé par un paquet de tensions à l'intérieur. Et toutes ces tensions sont le résultat de répression émotionnelle la plupart du temps. Et quand on est dans l'émotion, l'émotion, c'est « et ». Ça veut dire vers l'extérieur. Motion, c'est le mouvement. C'est le mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un mouvement. C'est le mouvement de la vie en soi. Nos émotions, elles ont une fonction. Donc, oui, bien sûr, la colère, elle dessine mon territoire. Elle me permet de faire face à la frustration. Mais la colère, le dieu de la colère, c'est qui? Mars. Et qui est sa fille? Une de ses filles, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, Harmonie. Harmonie, c'est la fille de Mars et Vénus. Donc, dans l'harmonie, ce n'est pas tout le monde est beau, il n'y a pas que Vénus, quoi. Il y a quand même Mars, le conflit, le combat. Et c'est nécessaire d'être deux vraiment face à face. Mais la colère, c'est affirmation. Tandis que la violence, c'est l'évitement de l'affirmation. Puisque dans la violence, on va taper l'autre, on va blesser l'autre, mais du coup, on ne s'affirme pas soi.
En fait, la violence, c'est quand on est désespéré, quand on se sent impuissant. Or, la colère, non, c'est l'expression de la puissance. Donc, c'est un peu le contraire. Donc, non, quand un enfant est violent, on ne va pas dire « Ah, tu es en colère ». On va dire « Ça, c'est de la violence ». Et on va chercher à l'aider à identifier ce qui se passe. Le plus souvent, quand quelqu'un se montre violent, un comportement violent, c'est parce qu'il a honte, parce qu'il est plein de dégoût, de haine, de rage, de toutes sortes d'émotions, de pas d'émotions, mais toutes sortes, enfin si, des émotions, mais mélangées, qui font que du coup, ça devient une espèce de paquet de tensions qui est projeté comme ça. Et donc, quand ça nous arrive à l'intérieur de nous, on a tout ça à l'intérieur, et puis on est projeté dans cette violence, c'est vrai qu'on a besoin de quelque chose qui nous aide à revenir. Le courage, il est d'aller faire une psychothérapie et d'oser rencontrer notre histoire, oser aller fouiller un petit peu, mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de... Ou peut-être dans l'enfance de mes parents, parce qu'il y a aussi tout l'épigénétique, le transgénérationnel. On sait aujourd'hui qu'il y a une reproduction et que nous avons tendance à porter les blessures de nos ancêtres. Donc, il y a tout ce poids-là. Oser aller regarder toutes ces blessures dans notre histoire peut nous permettre d'apaiser, de soigner ces blessures. Et donc là, il est le courage. Parce que quelquefois, on se dit, oh, moi, je ne veux pas aller voir mon passé. Oh non, 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 je ne veux pas remuer la boue de mon passé. Ben, c'est quand même drôlement utile. Mm-hmm. Surtout qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses thérapies extrêmement efficaces et qu'on peut guérir le trauma. Et on n'est plus dans les années avant où ça durait des dizaines d'années. Maintenant, il y a des thérapies vraiment efficaces qui permettent d'aller soigner, guérir et prendre soin de l'enfant que nous étions. Pour pouvoir prendre soin d'un enfant en face de nous, c'est important que nous puissions prendre soin de l'enfant que nous avons été. Ça nous permet de mesurer, de nous accorder avec nous-mêmes, de mesurer ce qui s'est passé pour nous, de pouvoir vraiment nommer ce qui s'est passé et pouvoir se guérir de ça. Donc le courage, oui, il est là. La méditation, je trouve aussi, est très utile, ah, oui, oui, et importante. Elle aide. Et ça peut être une très belle motivation. Ça fait partie de ce que je t'ai entendu dire, qu'aucun parent n'a envie de faire du mal à son enfant et que c'est toujours finalement un désespoir, un malheur. Enfin, et c'est vrai que ça peut vraiment faire partie pour nous, parents, futurs parents, d'une motivation très forte de se soigner pour mieux soigner son enfant. C'est vraiment, enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré sur mon chemin et c'est vrai que du style, je l'aurais pas fait pour moi-même parce que je n'en valais pas la peine. Et en fait, quand on a les enfants, on dit, bah, en fait, voilà, là, il y a plus en cause que ce que mon propre petit moi dont je ne prends pas soin. Et je trouve que c'est très intéressant. Tout ce que j'entends, tout ce que je t'entends dire ce soir, Isabelle, bien sûr, résonne avec ma propre expérience. Et ce que j'aimerais dire avant qu'on passe la parole à la salle, c'est que être parent, s'occuper des enfants, accueillir des enfants, prendre soin, dans tout ce que je t'entends dire, c'est en fait vraiment un chemin pour devenir adulte. Je crois qu'on ne le dit pas assez, c'est-à-dire qu'on peut être coincé dans notre enfance, tu viens de parler de thérapie, on peut être des adolescents attardés, on peut être infantile, parce que ce n'est pas parce qu'on a 21 ans ou 18 ans maintenant qu'on est adulte. Et j'ai l'impression que de s'occuper des enfants, et ça pourrait nous aider aussi de le voir comme ça, ça nous aide vraiment à apprendre nos propres ressources, notre patience, on a parlé de courage, être en relation avec nos émotions au lieu de faire comme si ça n'existait pas ou de partir, de fuir. Et je trouve que d'élever, d'éduquer, de prendre soin des enfants, ça peut être un véritable chemin de maturation pour nous, d'accomplissement, tu vois aussi. Un chemin d'accomplissement. Mais j'ai un peu de mal avec les mots que tu emploies, Marie-Laurence, parce que tu dis... On peut être ado attardé, c'est beaucoup de jugement sur soi. Oui, oui, oui. Et ça, c'est la première chose qu'on va aussi balayer. D'accord. C'est-à-dire, on a vraiment besoin d'être tendre avec soi-même, oui, de faire de l'auto-empathie. Oui. Et dès qu'on se juge, qu'on dit « Ah, je suis mature, je suis comme un gamin », non, 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 on n'est pas ça.
c'est peut-être qu'il y a des comportements que nous avons qui sont inappropriés. Oui, toujours tu distingues bien la personne des comportements. Mais oui, voilà, c'est, le jugement, c'est la première des violences. À partir du moment où on est dans un jugement, on est dans une globalisation. Et je veux dire, dis à quelqu'un, tu es un ado attardé. Non, je ne le dirai pas. Mais oui, mais tu le dis sur toi-même. Même si je le pense. Tu le dis sur toi-même. Oui, c'est vrai. Donc c'est vraiment important d'enlever ce genre de truc. Oui, dès qu'on perçoit qu'on se file une étiquette, qu'on se met une étiquette comme ça, c'est un jugement. Que ce soit un jugement sur autrui, un jugement sur soi-même, mm-hmm. eh bien, c'est déjà de la violence. Et donc, du coup, je vais chercher à l'intérieur. Plutôt que de me juger immature ou de me juger être infantile, si je me dis « Ah, je suis infantile » ou bien « Un tel est infantile », hop, stop, ça c'est un jugement. Quelle est l'émotion derrière ce jugement? Quel est le besoin derrière ce jugement? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je vais aller prendre soin de l'enfant à l'intérieur de moi. Mmh. Si je me juge infantile, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, quelque chose où je me sens comme un enfant. Eh bien, hop, je vais aller écouter cet enfant à l'intérieur et en prendre soin. Oui, très bien. Tu proposes d'ailleurs des pratiques de guérison sur l'enfant, de l'enfant intérieur, j'ai vu ça. Oui, c'est très, très intéressant de dire que le jugement est déjà une violence. Et ça, c'est pareil. C'est projeté. On peut l'oublier facilement, tu vois, la preuve. merci. Puis, on est dans une culture de jugement, ça n'arrête pas. Oui, tout à fait. Et donc, ça peut m'arriver aussi de poser des jugements, mais hop, je cherche quand même à les repérer. Pour les éviter. Oui, très bien, merci de l'avoir fait pour moi. On est dans une culture de jugement et en même temps on est dans une culture où il faudrait, soi-disant, on est dans une société qui nous fait croire que tout pourrait être confortable, donc dès qu'il y a de l'inconfort, on peut aussi penser que c'est pas normal. Et avec les enfants, les situations inconfortables, ça existe. Donc effectivement, c'est bien de remettre bien les petites choses à leur place et les petites chèvres dans la forêt, comme disait mon papa. Oui. Très bien. Mais c'est sûr qu'on mature avec nos enfants et ils nous font grandir. Et c'est important d'accepter de grandir. Et pour accepter de grandir, c'est vraiment arrêter de chercher à être parfait. Parce qu'on veut tout le temps être le grand. Moi, je dois avoir raison. Et pour sécuriser, un jour, j'étais dans un avion à côté d'une femme qui m'expliquait qu'elle disait toujours à son fils qu'elle avait raison. Elle dit, même quand j'ai tort, je lui dis que j'ai raison parce que je veux qu'il ait confiance en moi. J'ai dit, je ne vois pas trop. Moi, je ne suis pas sûre que j'aurais confiance en quelqu'un qui fait ça. Mais elle avait cette représentation-là. Et j'ai découvert plus tard que c'était une représentation assez courante. Il y a beaucoup de gens qui croient que pour qu'on ait confiance, il faut être sûr de soi. En fait, non. Donc, plus on va explorer, découvrir avec nos enfants, plus on va pouvoir... Oui, et ils nous donnent beaucoup d'occasions de le faire, et toujours des occasions assez inattendues, imprévisibles. Voilà, nos enfants sont nos maîtres. Oui, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est bien de le rappeler, ce qui n'a rien à voir avec l'enfant roi, c'est vraiment... Rien à voir. C'est qu'effectivement, c'est clair, mais il faut le dire aussi, parce qu'il y a des confusions, et c'est vrai que ce chemin-là je remercie mes enfants de m'avoir aidé à devenir l'adulte que je suis aussi. Oui, ils nous obligent à réfléchir, parce qu'en fait, justement, quand on est sensible à ses enfants, on a envie de les accompagner, de les aider, et quand on est dans cette dynamique de chercher à les comprendre, c'est là qu'on apprend plein de choses. Et quelquefois, on se dit, moi je sais, il faut ceci, un enfant, ça doit manger ses haricots verts, toc toc, machin, puis hop, on décide. Et puis, ça ne marche pas. Je dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Et si on se met vraiment à l'écoute, peut-être qu'on va découvrir que le problème, ce n'est pas les haricots verts, c'est la manière dont je vais mettre dans son assiette de force. Et que finalement, si c'est lui qui se sert, il mange des haricots verts. Ou alors, c'est parce que les haricots verts touchent la pomme de terre et que ça, c'est pas possible. Et que ça nous est tous arrivé quand on était enfant. Il y a eu une période où on ne supportait pas bien que les aliments se touchent. Il fallait qu'ils soient bien séparés. On a tous traversé ce moment-là. Et pourquoi ça nous devient tout à fait insupportable quand ce sont nos enfants? C'est bizarre que on a oublié notre enfance. Mais du coup, si au lieu de rester avec nos certitudes, quand il y a quelque chose qui bug, on se met à l'écoute de « mais pour quelle raison ?» C'est absolument fantastique parce que on développe notre curiosité est souvent très très bien récompensée parce que
On découvre tout un monde. La curiosité, c'est merveilleux. Et tu en as beaucoup parlé ce soir. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui peut fondamentalement nous aider dans notre regard porté sur les enfants. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Enfin, je suis sûre qu'il va y avoir des questions dans la salle. Il y avait une question là. J'étais assistante maternelle et j'ai été très surprise de voir des jeunes parents encore dans la violence et j'ai eu beaucoup de mal à leur faire comprendre que c'était pas le bon chemin parce que voilà, moi j'avais une pratique bienveillante depuis un certain temps. Bon, je l'ai déjà fait avec mes enfants, mais après j'avais quand même encore des réflexes comme on a été élevés, nous. Ça m'a beaucoup heurtée de voir que c'est des jeunes parents et qui étaient encore là-dedans et qui ne comprenaient pas. Et moi, ils me disaient « Ah, Nounoun, quelle autorité !»« Ouah, super !» Alors que moi, avec ces enfants, ça se passait très bien. Il y avait une ambiance... les limites étaient là quand même. « Ah, j'ai eu des gifles, j'ai eu des... » Et alors, et regarde comme je suis. Voilà, c'est un homme responsable qui travaille, qui aime ses enfants, qui a plein de choses qui sont, mais qui ne peut pas s'empêcher de. Arrête de pleurer ou je te mets dehors. Vous avez dit le mot juste, il ne peut pas s'empêcher de. Voilà. Et donc c'est là que nous avons besoin de brancher la compassion plutôt que le jugement. Quelqu'un nous juge. Quelle autorité comme ça, de manière ironique. Qu'est-ce qu'on peut entendre? C'est un jugement, c'est une ironie. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quel est son besoin? Alors, je vous le fais court, très rapidement. On va, pareil, admirer. On va s'accorder sur cette personne. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Il se sent déstabilisé. Donc, on va lui dire, ah, c'est déstabilisant de voir les enfants jouer de cette manière. Vous n'avez pas connu ça quand vous étiez petit? Off. Ensuite, on ne va pas rentrer dans « moi j'ai le bon chemin et vous, vous avez le mauvais chemin ». Chaque chemin a des conséquences. Et ce n'est pas que c'est un bon chemin ou un mauvais chemin. C'est que lui, il n'a appris que ça et pour l'instant, il ne sait pas faire autrement. Et si on lui dit « ce que vous faites, ce n'est pas bien », il va se justifier, trouver que nous, on est nuls, il va nous dévaloriser et il va chercher à se conforter. Personne n'aime se sentir pas bien. Aucun parent ne veut entendre que ce qu'il fait, c'est pas bien. Donc, si on a l'idée qu'il y a un bon chemin et un mauvais chemin, c'est déjà perdu. Donc, il va s'agir de ne pas rentrer là-dedans et ensuite de ne pas vouloir lui faire comprendre. Parce que vouloir faire comprendre à quelqu'un, ça veut dire que je vais, moi, chercher à lui faire comprendre dans sa tête, donc dans son intellect. Ça ne marche pas, puisque le problème, c'est qu'il n'arrive pas à s'empêcher de. Il n'arrive pas à s'empêcher de, c'est que c'est dans ses émotions que ça pose problème. Donc du coup, à l'intérieur, je me dis, bon, ce gars-là, il a sûrement subi pas mal de trucs. Il m'a dit qu'il avait été beaucoup tapé. Donc, je peux faire des petites phrases du style « oui, c'est vrai ». On commence toujours par « oui ». On ne dit pas « non, ça n'est pas bien ce que vous dites ». On dit « oui, vous avez raison, monsieur ». Avant, on éduquait les enfants avec des gifles et des fessées. Et pendant longtemps, on a cru que ça ne faisait rien. Et vous pouvez avoir eu l'impression que vous êtes ce que vous êtes grâce à ce que vous avez vécu. Et peut-être, vous auriez pu être plus heureux ou si vous n'aviez pas reçu les fessées. Peut-être, vous auriez vécu des choses différentes. Peut-être que vous seriez devenu quelqu'un aussi. On évoque. Mais c'est surtout l'idée que la parentalité, le non-jugement, c'est pas seulement envers les enfants. C'est envers l'enfant dans le parent qui est en face de moi aussi. Et du coup, au lieu de voir un père violent, je vois un petit enfant démuni à l'intérieur de ce papa. Et je me connecte le plus souvent possible avec l'intérieur de ce parent. Au début, il va résister. Il va faire 3-4 fois, il va être encore plus autoritaire. Et puis, ça va tomber.
et puis il va devenir plus... voilà, on peut faire confiance à nos capacités d'empathie et de compassion. En tant que personne, est-ce qu'à ce moment-là, c'est peut-être mieux qu'on ne réponde pas ? Oui. Et du coup, qu'ils justement prennent le temps de pouvoir... Ok, merci. Tout à fait. On fait ce que... On prend le bol. C'est-à-dire le bol, c'est une technique que j'enseigne pour les parents quand les enfants ont plein d'émotions ou qu'un ado dit « tu m'as jamais aimé », enfin les trucs un peu qu'on prend en plein cœur. Donc, ça ne sert à rien de prendre les agressions en plein cœur. Donc, quand quelqu'un nous juge, nous insulte, nous fait « on ne prend pas les trucs en plein cœur, on attrape la flèche » ou on imagine que ce qu'il dit, puisqu'on sait que derrière tout jugement, toute insulte, il y a des émotions, je considère que c'est probablement le reflet d'une émotion et donc j'imagine que j'ai un bol imaginaire devant moi et je visualise que hop, cette insulte, hop, elle tombe dans le bol. Les larmes, ça tombe dans le bol, les abdos, tout ça, ça tombe dans le bol. Et la semaine dernière, j'ai dit, quelqu'un m'a raconté, mon fils m'a dit quelque chose qui s'était passé à l'école qui était super dur. Il a dit, j'ai vite attrapé mon bol mentalement. Et du coup, j'ai réussi à lui parler parce que quelquefois, c'est aussi quand on entend notre enfant raconter quelque chose de vraiment horrible. Il y avait une histoire de harcèlement à l'école et tout ça. Bon, bref, ça l'aurait bouleversé à un autre moment, cette maman. Et donc, elle a pensé au bol et hop, elle a attrapé son bol mental et puis elle l'a posé devant elle. Et donc, voilà, en cas d'urgence, vous prenez boum, un bol, vite, et hop, le truc, il tombe dans le bol. L'avantage, si c'est dans le bol, c'est qu'après, on peut regarder, analyser et voir à quoi ça correspond et ce qu'il y a derrière. Mais voilà, derrière une insulte, il y a toujours une blessure, quelque chose que la personne ressent à l'intérieur. Et donc, ce n'est pas la peine de se laisser être blessé par les flèches des autres. De la même manière qu'on fait de l'empathie, mais pas empathie et connexion, c'est en général, mais lorsqu'on voit une violence commise, on dit stop, ceci est interdit par la loi. Eh oui. Là, maintenant, on a la loi. Donc, on s'en sert. On lui sort toute la loi et on étudie ensemble les droits de l'enfant. Il y a un super bouquin là, qui est destiné aux enfants, mais qui peut être utile aussi aux adultes pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire les droits de l'enfant, qu'est-ce que c'est qu'une violence, parce que la plupart des adultes d'aujourd'hui en France ne savent même pas identifier ce qui est violence et ce qui ne l'est pas. Donc une question là, il y a une question là, et puis ensuite. Alors on parle de la violence et de ressources, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Moi personnellement, j'étais éduquée par la violence, que ce soit émotionnelle ou physique, je suis très consciente. Je me sens comme dans une guerre, parce qu'à la maison, la première réaction qui m'arrive dans la tête, c'est de faire de la même façon que j'ai été éduquée. Rapidement, je dis stop et je remplace par une autre méthode. Et ça, c'est très fatigant. Avec le père, d'un autre côté. Et du coup, à l'école, il y a aussi de la violence, même si c'est une école privée, Montessori et tout. Il y a le fait de crier et donner beaucoup de jugements à l'enfant, des étiquettes, en allant parler avec le cadre, ça, c'est un autre sujet aussi, je me trouve jugée de ne pas respecter vraiment l'effort des éducateurs, ce qu'ils font avec les enfants, je rabaisse leur travail et tout. Donc, c'est tout un système. Du coup, ma question, c'est comment trouver les ressources pour faire face à tout ça. Voilà, se réunir. Se réunir, être ensemble et petit à petit changer la culture. Mais je suis d'accord, pour l'instant, c'est extrêmement difficile. 2 personnes sur 3 ont subi au moins un événement traumatisant dans leur enfance et 1 personne sur 8 en a subi 4 au moins. Donc, globalement, la plupart des gens sont vraiment traumatisés. Comprendre ça, apprendre à ne pas retraumatiser, apprendre à travailler aussi avec les autres. Je me suis dit, waouh, ça change toute une culture. Et du coup, en discutant à Marseille avec des amis, ils se sont dit, ouais, on va faire ça à Marseille. Et on le fait. On a commencé à le faire.
Et prend quelle forme, Isabelle ? Alors, pour l'instant, on fait des réunions pour commencer à informer, réunir un petit peu toutes les associations qui sont mobilisées là-dessus. Mais il y a énormément d'associations. La première réunion, il y a 45 associations qui militent chacune contre des violences différentes, les violences sexuelles, le sans-abrisme, etc. Et en fait, tout le monde, on fait tous les pompiers à essayer d'éteindre un feu ici, éteindre un feu là. Et là, Trauma Informed, c'est bon, ok, et si on arrêtait d'allumer le feu, quoi ? Donc, on va plutôt aller à la base à s'occuper du trauma. Et donc, le trauma, c'est ce qui nous réunit tous, les associations. Et donc, on va lancer une information générale dans toute la population. À l'échelle d'une ville, c'est possible. Et donc, sur qu'est-ce que c'est que le trauma, quel impact ça a, qu'est-ce que c'est que l'attachement, comment ne pas retraumatiser, etc. Et ensuite, dans différentes structures, donc on va prendre trois écoles ou crèches pilotes dans un premier temps, pour faire, une fois qu'on a cette information, ben, ça change quoi dans nos pratiques ? Et donc, ce qu'une école comme ça aurait besoin de faire, c'est réaliser, ah ben, si le trauma c'est ça, le développement de l'enfant c'est ça, le jugement c'est ça, ah, je comprends, du coup, ben, finalement, comment je peux faire pour ne pas retraumatiser, pour ne pas risquer de traumatiser ? Et du coup, ça va venir de la base et c'est chacun qui va développer. Et à ce moment-là, on fera, j'imagine, des formations tous ensemble. Mais c'est toute une culture à changer. C'est long, c'est lent, c'est difficile. Et en même temps, c'est possible. D'autres pays l'ont fait. La ville de Philadelphie, qui était une ville particulièrement violente, très pauvres, avec vraiment un niveau de crime très important. Ils ont commencé en 2011 et il y a 3 ans, ils ont fermé une prison. Bon, c'est encourageant tout de même. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont à Philadelphie en disant « Mais la ville de Philadelphie, c'est agréable parce que les gens sourient dans la rue. » C'est formidable. Donc petit à petit, c'est possible. Oui, oui, et c'est vraiment important que tu nous parles de ça et qu'on entende parler de ça, parce qu'effectivement, c'est pas du tout le type d'information qu'on a au JT. C'est ça. Je regarde pas la télé, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le type d'information qu'on a, quoi. Et c'est, c'est passionnant. Et tu nous tiendras au courant. Il y a des gens qui gagnent moins d'argent, hein. Violence. Et tu vois, quand je parlais tout à l'heure de courage, de la non-violence, là, tu l'incarnes complètement là, dans ce que tu dis. C'est vraiment ça. Oui. Parce que c'est vrai que c'est long, c'est difficile et qu'il faut. C'est long, c'est difficile, mais moi, ce qui me fascine, c'est la rapidité avec laquelle ça fonctionne tout de même. Hein. 2011, parce que c'est comment les villes ont pu changer. Et il n'y a pas que Philadelphie. Il y a, il y a une quinzaine de villes comme ça qui ont déjà une certaine expérience, qui ont tellement changé de choses. C'est moins spectaculaire en Norvège, hein, évidemment, parce qu'eux, ils étaient déjà assez cool. Donc voilà. Mais il y a des villes où on se dit, waouh, quand même, ça peut changer si vite. C'est très enthousiasmant. Ça montre que tout le monde a envie d'être bien les uns avec les autres. On cherche tous le bonheur, on cherche tous la connexion. Et finalement, donc, dès qu'on peut comprendre un petit peu mieux les choses, ben, on va rentrer dans cette dynamique-là. Donc ça donne de l'espoir. Vous savez, comment on appelle ça ? Le porte-avions. Oui. Voilà. Donc le porte-avions, il y a l'enfant, là, à la naissance, on est à zéro, et jusqu'à l'adulte, où on est à 100%. Et donc, je voulais revenir sur la relation saine. Quand vous dites 30%, 70%, parce que pour moi, quand on a un bébé, c'est pas 30%, 70%, on doit s'en occuper, on doit l'éveiller, et petit à petit, avec son âge, ça va devenir 30 à peut-être à 70%, peut-être 10-70% par rapport au porte-avions. Alors merci du mal de ramener à... le porte-avions. Oui. Voilà, j'ai du mal à comprendre la relation saine, 30% accordage et 70% pour un an, enfin pour la relation même que j'ai avec nourrisson, même pour la nourrisson. D'accord. Donc, alors cette image du porte-avions, elle vient de Nicole Guédenet, qui est la spécialiste mondiale de l'attachement, et je reprends cette image parce que je la trouve extrêmement parlante. Donc, le parent est comme un porte-avions, c'est-à-dire boum, stable. Et là, il y a la piste d'atterrissage. Bien sûr. Sur le porte-avions, il y a aussi une tour de contrôle et donc je donne des informations aux petits avions. Mais globalement, le petit avion, il vient se ressourcer, remplir son réservoir et après, il peut aller voler
de plus en plus loin, plus il a son réservoir bien rempli, plus il va aller loin, tout en surveillant toujours que la place sur le porte-avions est disponible. S'il y a un autre avion qui se pose immédiatement, on va récupérer la place. Donc, c'est assez clair, cette dynamique de l'attachement. L'attachement, c'est ma figure d'attachement, donc mon porte-avions, c'est la personne vers qui je me tourne en cas d'insécurité, en cas de problème. Et donc, c'est la personne là où je trouve ma sécurité, là où je vais pouvoir remplir mon réservoir. Donc, quand on est la figure d'attachement, oui, on fournit ces ressources. Dans une journée, alors bien sûr, un nourrisson, il a absolument besoin de nous, c'est évident. Et en même temps, il y a des moments où on ne comprend pas ce que le bébé veut. Le bébé pleure et il peut pleurer et je ne trouve pas. Et dans un premier temps, j'essaye de lui changer la couche, j'essaye de le nourrir, j'essaye ceci, j'essaye de là. Tout ça, c'est du 70% de désaccordage. Et au bout d'un moment, je trouve et donc je m'accorde. En tout cas, je cherche toujours à rester en contact. Pas besoin d'être tout le temps pile poil dans la réponse ajustée, parce que si tout le temps tout est trop ajusté, ben, on ne développe rien. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a les réflexes. Donc, le réflexe d'un enfant, il est de... quelque chose touche sa paume, paf, il ferme la main. Si c'est toujours ajusté au réflexe, eh ben, c'est toujours ajusté, c'est-à-dire c'est toujours le même objet qui, hop, ça va toucher. Hop, et donc, en fait, de temps en temps, ça va être d'autres... Là, c'est quelque chose qui n'est pas ajusté. Et du coup, je vais, moi, devoir m'ajuster. En fait, lorsque nous ne sommes pas totalement ajustés pile poil aux besoins de l'enfant, ça lui donne à lui la possibilité de commencer à s'ajuster. Donc, petit à petit, on ajuste le mouvement et petit à petit, on construit le mouvement volontaire. Donc, c'est toute notre croissance, elle est faite d'ajustements. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ressemble suffisamment. Donc, il faut que tous les objets puissent être suffisamment petits pour que je puisse prendre, mais pour que je développe toutes mes capacités de préhension et que petit à petit, j'arrive à séparer mes doigts et à avoir vraiment toute une bonne préhension, il va falloir que je tripote beaucoup d'objets différents. Et donc, que je doive m'adapter beaucoup. C'est plus compréhensible ? L'amour, c'est un carburant, c'est pas une récompense. Exactement, mm-hmm. Merci. Ouais. C'est pas une récompense. Alors, avec mon fils, on fait de l'ocytocine. Ça veut dire quand ça va pas, bah voilà. Et de temps en temps, je n'ai pas envie de la faire parce que je suis triste. Mm-hmm. Même si c'est pas une récompense, est-ce qu'on peut dire à l'enfant, bah écoute, là, j'ai envie d'être tranquille. L'ocytocine, certes, mais là, tu m'as insulté. Donc moi, ton ocytocine, on la fera tout à l'heure quand je me serai calmée. « Ouais, tu m'aimes pas », me répond-il. Mmh. Voilà. Alors, revenons au début. Il y a eu une insulte quand même. Donc, l'insulte, on ne va pas accepter une insulte. Jamais. C'est zéro tolérance. Donc, une insulte, hop, je chope l'insulte. Je peux savoir quelle est l'insulte ? Ah bon ? Une. Dans le bol. Non, elle est dans le bol. Ah oui, non, mais c'est important quand même. Par exemple, c'est quoi ? Petite conne. Petite conne. Ah, oui. Donc, petite conne. Petite conne. D'où ça vient ? De l'école. Eh ben voilà. Et de ma famille aussi. En plus. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gamin, il a entendu ça. Quand on a entendu quelque chose qui n'est pas agréable, petite conne, donc ça à l'école, il l'a entendu dit sur « c'est pas sur vous, c'est ailleurs », mais ça lui a fait mal à l'intérieur. Ensuite, il l'entend dans la famille. Peut-être petite conne s'est dit à qui ? À quelqu'un d'autre ou sur vous ? Non. Ah bon, quelqu'un d'autre. Non, c'est déjà... Mais ça n'empêche. Ça fait du tumulte à l'intérieur d'un enfant. Et
quand vous avez un enfant de 5-6 ans, il va chez le médecin, il se fait faire un vaccin, qu'est-ce qu'il fait en rentrant? Il vous fait un vaccin, il vous fait la piqûre. Quand un enfant a quelque chose qui était un peu dur, il s'est senti, eh bien, il va rejouer les choses. Avec les insultes, c'est un peu la même chose. Il entend l'insulte à l'école, ça lui a fait pas bien, et il a pas, il n'est pas adulte encore, et donc il ne sait pas dire, maman, à l'école, j'ai entendu un tel qui a dit petite conne à un tel, et je n'ai pas su quoi dire, et j'ai gardé tout ça à l'intérieur de moi, et maintenant que je te retrouve, mon porte-avions chéri, je te livre le truc. Il ne sait pas expliquer comme ça tout ça, donc du coup, bah, il le fait, quoi. Il livre à son porte-avions, brutalement, pour voir ce que ça donne. Et pour voir ce que ça donne, ça veut dire pour voir comment est-ce que ma mère va réussir à faire ce que moi, je n'ai pas réussi à faire à l'école, parce que je n'ai pas su défendre ma copine. Et donc, c'est là que nous, on est là. Hein? Comme avec ma mère et ma gifle, et la gifle, tout à fait. Vous avez toutes les références déjà. Et donc, oui, c'est ça. Donc, du coup, alors, si ça me fait mal, il y a un problème. Ça veut dire que je n'ai pas attrapé la flèche suffisamment vite, je n'ai pas eu le bol assez rapide, là. Mais du coup, on peut dire, oui, là, il y a eu un truc, je ne suis pas apte tout de suite à faire quelque chose avec toi. Et même s'il dit « tu m'aimes pas », je dis « oui, ok, pour l'instant, toi, tu penses ça. Là, moi, toi, tu peux conclure que je t'aime pas. Moi, c'est juste que j'ai besoin d'un petit temps toute seule. » Donc voilà, on va respirer un petit peu. Et une fois qu'on s'est désaccordé, on revient dans l'accordage. Et là, on se dit « mais t'as entendu ça où? Alors, qu'est-ce que ça t'a fait à l'intérieur, ce truc-là » Parce que le problème n'est pas qu'ils vous le disent. Oui, c'est un problème. Mais c'est surtout pour quelle raison? Il le dit parce qu'il cherche une information, il cherche quelque chose. Et donc, si ça fait plusieurs insultes, il y a vraiment un problème. Il n'est pas question qu'il continue de vous insulter. Donc, c'est vraiment un moment où vous vous asseyez à côté de lui, un moment où vous êtes en bonne connexion, côte à côte. Et là, voilà, ça fait plusieurs fois que tu m'insultes, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu t'es senti en difficulté? Et voilà, tous les deux, vous avez besoin de bosser pour le muscler sur comment il peut réagir quand il entend ce genre de truc à l'école. Mais ça doit cesser. À l'école, avec de la violence à l'école, c'est très, très difficile à gérer. Ouais. Voilà, c'est très difficile. Il est dans une école réputée un peu dans le 13e, un peu difficile. Mais bon, on fait avec. Non, on ne fait pas avec. Stop. C'est vraiment maintenant, donc vous allez tous les deux... Avec l'école, je ne peux pas la changer. Non, mais j'aimerais avec l'école, bien aussi. Donc tous les deux, vous y allez. Maintenant, il y a eu ces enfants qui sont morts de harcèlement. Et ça fait quand même un petit électrochoc, là. Ben oui. Et donc, du coup, les écoles sont un petit peu plus désireuses de faire quelque chose. Donc, profitons de l'histoire et allons-y. Allons voir les principaux, les directeurs, les gens en charge et demandons des interventions de personnes extérieures. Il y a des associations, il y a toutes sortes de gens qui sont là pour faire des interventions et pour faire cesser ce genre de choses. Et donc, c'est pas... ce qui est important, c'est de ne pas y aller en jugeant l'école ou en... Mais mon fils, voilà, vous y allez, on vient tous les deux. Parce qu'il y a un certain nombre de problèmes, on voudrait une intervention, on ne veut pas que ça dégénère, et on voudrait une intervention de telle association ou telle association. C'est très important ce que tu nous dis, parce que c'est vrai qu'on est aussi habitué à dire on fait avec, on se débrouille, on passe notre temps nous à s'adapter, alors qu'en fait tu es en train de dire d'abord les circonstances, même si on est dans une société violente en France, les circonstances sont plutôt de notre côté, et il y a des lois, et donc on a des moyens d'agir maintenant, et plus forcément... Mais c'est difficile. Mais c'est clair, c'est dur. J'ai déjà, je suis monoparentale, je dois gérer mon gamin, et en plus je dois aller voir la directrice. Oui, mais il y aura moins à gérer après avec le gamin, vous y allez ensemble avec le gamin. Comme ça, ça lui apprend plein de trucs. Mais même quand il y a de l'harcèlement comme ça, par exemple, le professeur ne veut pas
faire de réunion avec les parents. Vous savez pourquoi? Parce que on est en fin d'année. Alors je dis au professeur, mais il faut avertir les parents. Il faut. Eh ben non, on est en fin d'année, on est fatigué, on est en burn-out. Ben oui. Voilà. Eh ben non. Alors, et donc, une fois, un inspecteur d'académie m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup remué. Il m'a dit, parfois, donc inspecteur d'académie, donc lui, il va dans les écoles, il dit, parfois, on sait qu'il y a des problèmes dans une classe, qu'un enseignant a des soucis, et on ne peut pas intervenir parce que les parents ne disent rien. Il dit, j'ai besoin de plaintes pour pouvoir intervenir. Si je n'ai pas de plaintes des parents, je ne peux rien faire. Et donc, du coup, ça veut dire, moi, ça m'a bien encouragée. Je dis, c'est hyper important de ne jamais laisser quoi que ce soit durer. À toujours 3 personnes minimum. Et là, pour l'école, vous pouvez leur adresser à 5. Donc, on adresse à l'enseignant, copie au directeur ou enfin à la personne en charge de l'école ou du proviseur, etc. À l'inspection académique, l'inspecteur d'académie. Au rectorat, et il y a toujours des responsables de parents d'élèves, et les 2 fédérations de parents d'élèves. On arrose. C'est sûr que si vous envoyez un courrier à une personne, votre courrier, il est enterré. C'est très dur de recevoir une plainte. C'est dur de recevoir quelque chose se passe pas bien dans mon école. C'est pas possible. Je préfère ne pas le savoir. Et puis, ce n'est pas grave, c'est la fin de l'année, de toute façon, ça va changer. Et puis, voilà, il ne va plus m'embêter, ce parent-là. Mais donc, il y a une tendance humaine à mettre le truc sous le tapis. Mais c'est pour ça que, ça c'est une règle dans toutes les entreprises. Et tout. Si on veut que quelque chose avance, on informe toujours 3 personnes. Pas forcément. Nous, on l'envoie le courrier. Puis après, ils se débrouillent. Puis après, nous, on est vigilants à que quelque chose bouge, oui. Et le mieux, c'est toujours de faire intervenir des gens extérieurs. Parce que de l'intérieur, c'est un système, souvent. Donc, si on peut faire venir une asso qui vient, ne serait-ce que pour faire un truc sur les écrans, un truc sur une asso qui vient pour faire une information sur un truc, c'est quand même quelqu'un de l'extérieur qui vient. Et petit à petit, on peut faire. Mais c'est encore mieux si c'est une asso spécialisée sur le harcèlement, sur la violence. Sur les autres façons de communiquer. Vous parliez des 30% d'accord et 70% de désaccord, et l'important, ça marchait si on réparait. Comment on répare à part en parler, écouter la parole de l'enfant? Eh bien, réparer, en fait, c'est principalement déjà revenir dans la relation. Il n'y a pas forcément besoin toujours de reparler, d'expliquer, etc. Le plus souvent, simplement revenir dans la relation, ça suffit. Comme avec dans le visage impassible. J'ai fait le visage impassible, j'ai marre, et puis oh, et ça repart. Et puis quand ça a été trop long, là on a besoin d'expliquer. On a besoin, avant d'expliquer, on va écouter. Pour réparer, de quoi vous avez besoin quand quelqu'un vous a blessé, a fait quelque chose qui ne va pas? Vous ne voulez pas qu'il s'excuse, parce que ça, c'est trop facile. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il mesure ce que ça nous a fait. Donc on va se mettre à l'écoute de l'enfant. Quand j'ai fait ceci, cela, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton cœur, dans ton corps? Ah, à ce point-là? Eh bien, et là, on mesure. Et une fois qu'on a mesuré, la plus souvent, ça suffit. Et quelquefois, ça ne suffit pas. Et donc, du coup, on dit, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Et le plus efficace pour réparer, et même pour réparer des choses qui se sont passées anciennes, hein, qui sont passées au moment de la naissance, qui sont passées parce qu'il est resté une semaine à l'hôpital quand il avait 2 mois, etc. Tous les moments comme ça qui ont pu être durs pour lui, eh bien on peut faire utiliser du temps. Donc on lui donne du temps spécifique, un temps pour lui. Et donc ce temps pour lui, il est chronométré, c'est-à-dire on lui dit, j'ai une demi-heure, c'est entièrement pour toi. Alors on choisit, ça peut être 2 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure, en fonction de l'âge, en fonction de toutes sortes, et de notre capacité à le faire, parce qu'il va falloir que pendant tout ce temps-là, on éteint le téléphone, il est sur mode avion, on ne regarde même pas les notifications, se débrouille sur un tiroir, il n'y a pas d'autre enfant qui va nous déranger. Et on est vraiment centré sur l'enfant et on va faire tout ce qu'il nous demande.
Donc, on dit pendant 10 minutes, là, c'est ton temps et je fais tout ce que tu me demandes. Et donc, s'il veut jouer au Barbie, eh ben, on joue au Barbie, même si on n'aime pas les Barbie. S'il veut jouer au cube, on fait les cubes. S'il veut jouer à l'ordinateur, on fait l'ordinateur. Parce que l'idée, c'est de se mettre, qu'il prenne, sentir son pouvoir. Et dans cette relation qui se tisse, le plus souvent, il ne fait pas n'importe quoi. Le plus souvent, il nous montre le problème. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que émerge dans son... en fait, ça ouvre la blessure et ça permet que du coup, on puisse soigner vraiment la blessure en profondeur. Quelquefois, une fois suffit. Quelquefois, quand c'est un gros moment qui a été dur, eh bien, il va falloir rejouer plein de fois cette chose-là. Mais on observe le jeu que nous propose l'enfant, parce que même si on joue au petit personnage, ben, si elle nous fait recoudre systématiquement la robe, tiens, on se dit, tiens, peut-être, qu'est-ce qu'elle cherche à recoudre? Peut-être on recoud quelque chose qui ne sait pas. Bref, on peut entendre symboliquement, à travers les jeux que propose l'enfant, ce qu'elle est en train de raconter. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Ben, merci pour. Merci beaucoup, Isabelle. Vraiment, un grand merci pour cette soirée que tu viens de nous offrir et pour porter ces paroles si importantes et puis qui, je crois, nous donnent toutes, à toutes et à tous, voilà, un regain d'énergie. Vraiment, merci beaucoup.